Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon let's play sur le jeu The Guild 2 Renaissance. Et donc je vous avais laissé la dernière fois, je cherchais un petit peu comment faire du colorant. Et donc on a trouvé une teinturerie, je me tâtais si j'en construisais une, si j'en achetais une ou si j'espérais qu'un jour il y ait du colorant qui circule. Je me suis dit on va peut-être l'acheter parce qu'en fait elle est plutôt bien positionnée, ça peut être pas mal. Et puis ça nous fera toujours encore une fois une nouvelle diversité de produits à créer. Ok, donc je pense qu'on est parti pour l'achat de cette teinturerie. C'est parti. Donc, alors, je vous avais laissé, évidemment, on en était... Voilà, on a été, est-ce que j'achète cette teinturerie ou pas? Et ben, je pense qu'on va dire oui. On va dire oui, on va acheter cette teinturerie herbe joviale pour 1750, ce qui est exactement le prix de construction. En plus, elle est plutôt bien placée, juste à côté du centre de machin. Oui, je viens d'acheter un bâtiment, merci. Alors... Comment ça fonctionne? Quel truc. D'accord, donc on a de la lavande, on peut faire des... Oh, et ça fait plein de colorant végétal. Ok, donc go, tu me construis du colorant végétal, ça va être génial. Donc les tisanes, c'est... Ah, ça se vend pas mal, ça nécessite de la lavande. Ah ouais, donc la récolte aussi, elle se fait toute seule. Ah, mais c'est génial en fait. Ah non, mais c'est super pratique. C'est vraiment très très pratique. Ah non, c'est très très cool. C'est particulièrement cool. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter des gens. Je pense qu'on va améliorer ce bâtiment pour recruter plus de gens. Au moins deux personnes. Une qui va se charger de récolter de la lavande, une autre des murs. Voilà. Donc ça va me coûter un peu la blinde. Je m'y mets tout de suite. Vous êtes voilà. Seul juge. Comme ça, on est bon, on est parti. De ce côté-là, il suffit de juste de mettre la petite route commerciale entre les deux et on sera nickel. Bon, par contre, évidemment, ça va nous coûter vla cher une fois qu'on changera de jour, étant donné que là, pour le coup, on va payer masse en coût de personnel. Ouais, 480. Je sais pas du tout combien ça va me coûter. Là, ça va me coûter cher. Donc actuellement, on est en solde net un petit peu négatif. Mais ça devrait aller parce qu'on est qu'à la moitié de la journée. Donc on va être plutôt pas mal. Toi, t'as arrêté de bosser, ce qui est pas cool. Je veux que tu retournes faire de la laine. Voilà. Au niveau du reste, actuellement, on est plutôt bien. Faudrait peut-être que je vende ces merdes. Peut-être que je les vende un jour. Mais bon, pour l'instant, j'en ai encore masse. Donc c'est plutôt bien. Du côté du fourneau... Vous m'en faites pas assez, vous êtes pas assez rapide. Donc je vais en faire la moitié. Donc les herbes, c'est bien. Le moulin avant, c'est bien. Le bailleur de fond, on est bien. De toute façon, elle est en... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, c'est vrai qu'elle s'occupe de vendre les trucs. De toute façon, il y a des pièces de cuivre. J'ai encore suffisamment d'actes notariés. On est bien. Tout ça, c'est pas mal. Maintenant qu'on a lancé la conception de colorants végétaux, c'est plutôt cool. Voilà, on va voir... Je vais rapidement le faire un aller-retour. Quoi? Son neige 20, un contrat, un orateur bien intentionné, on s'en fiche. On est plutôt bien. Hop, on va transporter tout ça. Je vais juste les envoyer ici, décharger et repartir. On va voir, je vais essayer d'en mettre au moins un à la conception de pièces en argent. Parce que de toute façon, on va en avoir suffisamment. Même très large. Non, on est très très bien en fait. On est particulièrement bien. Là, il faudra l'améliorer. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'améliorerais ce bâtiment le plus tôt possible, mais ça va peut-être pas être le cas tout de suite en fait. Parce que je me dis qu'on a quand même déjà payé pas mal. J'aimerais bien au moins acheter le changement de level, mais je crois que ça coûte 16 000, c'est ça? Bien. 15 000. 15 000, donc les 15 000 c'est un peu chaud à avoir tout de suite. Bon, c'est faisable. Mais pas tout de suite. Alors j'ai une question, c'est où est-ce qu'on disparu mais... J'ai mal au pied. Ah non, elle vient d'arriver. Ok, donc là on va pouvoir, je pense, plaquer... Ce sera fait. Waouh, c'est 5 heures. Ah oui, c'est beaucoup plus long du coup. Ok. Ok, bon moi c'est plutôt pas mal du coup, en fait ça nous permettra d'équilibrer un petit peu. Peut-être que les actes notariés, on va en avoir beaucoup plus besoin. J'ai pas assez d'espace. Bon, j'en achèterai s'il faut, c'est pas un problème. Et là, le commerce de crédit, il y a toujours personne. Bon, tant pis. Donc je pense qu'on va commencer par laisser un petit peu tourner le jeu de la manière dont il l'est actuellement. C'est plutôt pas mal.
Puis s'il faut, on le vendra des colorants végétaux, parce que de toute façon, je crois que ça se vend assez cher. Où sont les colorants? Ça se vend 51, c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer comme ça, et on va bien voir ce que ça va donner. Alors je dois dire qu'après avoir essayé, effectivement c'est plutôt pas mal, c'est assez performant les pièces de cuivre et les pièces en argent, tout ça, une fois que tout est La débareillé, production c'est est plutôt pas mal. Bon interrompue. là j'ai payé pas mal parce que parce qu'en fait j'avais plus d'acteur notarié, il fallait que je recharge en fer, enfin il y a eu quelques rechargements qui ont fait que ça m'a plus coûté qu'au final que ça m'a plus rendu. Mais là ça va être plutôt pas mal normalement à la fin de la journée quand je vais arriver avec toutes mes pièces de cuivre et toutes mes pièces d'argent, ça devrait être plutôt pas mal. Même si les pièces d'argent sont quand même beaucoup plus lentes à concevoir que les pièces de cuivre. Et bon, c'est plutôt pas mal sachant que j'en ai acheté 10, donc là j'ai large. J'ai largement assez. De ce côté-là, j'ai juste arrêté les colorants parce qu'au final les colorants j'en ai pas besoin d'autant. Je me mets à la tisane, c'est pas si horrible que ça, voilà. Après, est-ce que je peux le vendre comme ça? Je suis pas sûr. Du coup, voilà, je me mets à la tisane. Je vais attendre qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir faire lancer une. Ah, mais non, c'est vrai que c'est juste à côté. Donc, je vais juste lancer un petit truc simple. Où ça? Une route commerciale. On va charger de la tisane. On va en La charger production est 5. interrompue. On va décharger. Non, mais non. Bâtiment suivant. Hop. Décharger la tisane. 5. Envoyer Ça constamment. prendra pas Voilà. longtemps. Donc là, ça va aller. Donc il y a toujours le moulin à vent qui peut pas gérer son truc. Parce qu'il n'y a pas assez de place, mais c'est pas grave, parce qu'au final c'est juste un moulin à vent, on va pas s'en embêter non plus. Ici ça vend bien, ça construit, c'est plutôt pas mal. Juste le truc c'est que j'arrive pas, vraiment pas. Voilà, c'est parti tout de suite. J'arrive vraiment pas à régler le fait de mettre quelques pains toujours en vente. Ça part tellement vite, c'est un truc de fou. Un comptoir achète des matières premières. Ah, il y a un comptoir qui achète de la laine. Oula, 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 oula. On va peut-être en stocker du coup. Livendael. Alors, c'est où les comptoirs? C'est où sur la carte? Et je fais comment pour aller là-bas? Oh bah merde. Ça aurait été un autre comptoir, ok, mais alors celui-là, je sais pas du tout comment je fais pour pouvoir y aller. C'est vrai que si t'achètes de la laine à 29 de base, c'est plutôt cool parce que je crois que la laine ici, tu l'achètes pas autant. Je sais même pas où elle est. C'est super, je sais même pas où elle est. Ah, 8. Ah oui, 29 par rapport à 8, c'est pas mal. Mais je sais pas comment on fait pour y aller. Du coup, c'est con. Tiens d'ailleurs, toi. Ah oui, mais toi, La t'étais en production croisade, est c'est vrai. interrompue. Et c'est reparti. On va les garder au cas où. Et non, mais je ne saurais pas y aller. Donc non, on va pas les garder au cas où. On va les laisser là. Ouh, 17 000 et des pourouettes. Ah ouais, d'accord, ok. Ça déconne pas ici. Ça déconne pas du tout. D'ailleurs, je pense que le fourneau gagnerait à avoir un employé supplémentaire. On va engager un apprenti. Ça coûte quand même moins cher. Voilà, donc là, ça va. Ça va débiter. Ça va débiter sa mère. Et nous, il est quoi? Il est 15 h. Je vais juste regarder au niveau du bailleur de fonds. Où est-ce qu'on en est? Une pièce d'argent, deux pièces de cuivre. Donc ouais, ça vaut une certaine quantité d'argent, mais c'est pas exactement ce que je veux encore. Je revendrai tout vers 22 h. Je pense que ça sera pas mal. Quant à moi, je vais acheter un nouveau Ainsi, vous titre. souhaitez obtenir un nouveau titre, hein? Parce qu'il nous en faudra quand Vous même pas mal dans recevrez pas très longtemps. bientôt une dépêche vous informant de la décision prise. Ok, pas de pamphlet, rien du tout. Par contre, on est tombé à 3 000. Ça coûte un peu cher, effectivement. Donc, pour le coup, méfiance, méfiance, un petit peu. C'est moi ou il s'est barré avec mes pains d'orge? Ah, je crois qu'il s'est barré avec mes pains d'orge. Ah d'accord, ça part trop vite. Alors attendez, parce qu'en fait du coup j'étais en mode rapide. On va passer en mode normal. Félicitations. Le conseil, dans sa grande sagesse, a décidé de vous octroyer un nouveau titre. Mais je venais pas de La passer dans le production est grave. interrompue. Vous pouvez insulter quelqu'un et postuler pour un poste. 10 commerces, je possède actuellement 5 commerces.
Mais je venais pas de passer Landgrave. C'est moi ou il y avait un petit bug là? Bien. C'est 30 000 pour le baronnet. Vous ne deviendrez jamais sachant Dieu que baronnet, ici, je crois que c'est juste avant. De vous trouver un certificat attestant d'un... C'est juste avant baron. Je pense. Ça doit être ça. J'espère. On va peut-être placer les lavandes là-dessus. Parce que je crois qu'il y en a trop. Naturellement. Donc on va le faire, on va en mettre plein, voilà, tant pis. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal, ça avance, on va accélérer un peu le temps. Les actes notariés, c'est bientôt fini, ouais. On a toujours plein, c'est cool. C'est juste que ça, il faut que je le règle à la main, en fait, entre guillemets. Parce que c'est quand même un peu plus optique que ce que je fais là. Enfin, je pense que c'est un peu plus optique que ce que peut faire l'ordinateur tout seul, du coup, voilà. Je le règle à la main. Alors toi, t'es revenu des croisades, parce qu'il y avait une croisade qui a été lancée, donc du coup, j'avais 2-3 petites personnes qui étaient parties en croisade. YOLO. La bonne croisade des familles, et donc c'est cool qu'ils reviennent. Là, c'est pas mal. Bon, tout avance bien, c'est cool, on est déjà à 5. Ça, le gros problème, c'est que si on remet rien en vente, ils sont pas contents, les gens. Moi, je veux bien mettre des trucs en vente, hein. Ça permet d'avoir un petit peu de marge. Mais lui, il faudrait que je l'améliore, certainement. C'est clair que là, il peut pas faire grand-chose dans l'état dans lequel il est. Donc oui, il va falloir que j'améliore le fourneau dans pas longtemps, mais je pense que ça sera au prochain épisode, parce que actuellement, il va très bien dans la manière dans laquelle il est. La production est interrompue. Oui, oui, je sais que la production est interrompue. Nanana. Toc, j'en mets plein en vente. C'est bien. Donc voilà, on est déjà remonté à 6000. On va pouvoir... Il est 21h, ouais, donc on va attendre que ça soit terminé. Que les deux équipements soient terminés. Enfin, les pièces d'argent et les pièces de cuivre soient terminées. Et une fois que ça sera terminé, on va lancer la vente. Vous allez voir, ça va faire monter considérablement notre argent. Ah là là, le capitalisme. C'est trop fort. Alors, j'ai pas trop poussé actuellement le côté politique de la chose, parce que c'est compliqué, il faut arriver à gagner des procès, et puis j'ai pas quelqu'un de très bon en rhétorique des deux côtés. Ni l'un ni l'autre ne sont bons en rhétorique. Du coup, méfiance, méfiance. Donc, j'ai pas encore poussé trop la chose. Et je dis que c'est plutôt tant mieux. Alors, on va l'envoyer ici. Je suis en route. Les charger et repartir, parce que de toute façon, j'aurai rien à chercher, je crois. Oh la vache, ils ont déjà repris tous les pains, putain. Incroyable, ça marche trop bien ici en fait. Il nous faudrait une usine à pain, genre un truc vraiment mastoc. Et que ça part tout en vente. Je sais pas comment on fait, comment le régler en vente automatique. Seulement les biens de consommation et vente et achat, pas du tout. Et là il se passe quoi si je fais ça? Ah bah oui, forcément il conçoit rien, donc il peut rien mettre. Mais non. Pourquoi il a rangé? Ça devait pas être ça. En ville. Ok. On va dire que ça, c'est bon. Voilà, je crois que j'ai tout vendu. Oui, j'ai tout vendu. J'ai vendu pour... 5000, un truc comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout vendu pour 5000, ce qui est plutôt pas mal, du coup... Au niveau des richesses, c'est... Ah ouais, ce mois-ci, effectivement, on est quand même en léger négatif. Mais c'est pas grand-chose. Du coup, je trouve ça super bien, parce que c'est quand même un mois où on a claqué 17 000 des deux côtés. C'est cool. C'est particulièrement cool. Bon, bah là, je vais continuer un petit peu à laisser tourner le jeu, hein, parce que de toute façon, actuellement, je peux pas faire grand-chose. Si ce n'est, bah... concevoir encore des objets. Alors là, il y a... place, on va mettre diviser pour mieux régner. Aux pièces de cuivre, voilà. Ah mais non, c'était pas fini. Aléa jacta est. Ok, bon, l'hiver 1419, et bon, je vais continuer à laisser tourner le jeu tranquillement. Alors, je me refais attaquer, c'est super. En avant. Pourquoi personne Est-ce ne fait rien? Qu'il y a du travail à faire. Béni soient ceux qui acceptent. Au travail! De l'aide!
Je veux de l'aide. Ou alors je veux rentrer chez moi. Mais putain, arrête de faire demi-tour. S'il n'y a que ça. Oh, ce jeu des ténèbres. Mais s'il n'y a que ça. Mais putain. S'il n'y a que ça. Béni soient ceux qui acceptent. Ah. Béni soient ceux qui acceptent. Ah. En avant. Oh la vache, ça va encore me coûter la blinde. Béni soient ceux qui acceptent. Vous êtes victime d'un enlèvement. Et peut-être que je m'en occupe si tous les jours il soit. Enfin, toutes les nuits il soit un petit peu gardé. Gardé parce que franchement, on se fait défoncer mais bêtement tout le temps. Et c'est très casse-couille. Voilà, ça va encore me coûter la blinde, évidemment. Je vais encore pas du tout apprécier. Ah bon, bah voilà, tant pis. Alors, j'ai plus du tout de quoi faire des pièces d'or, des pièces d'argent ou des pièces de cuivre. Du coup, on va tout balader. Il faut que je travaille. On va tout envoyer là-bas. On va décharger, on va récupérer du fer et de l'argent. De ce côté-là, donc j'ai récupéré un petit peu de... Enfin, ça m'a coûté la blinde, ça a coûté, je crois, 2000 au total entre le Medicus et le... Quoi maintenant ? Et le... Comment ça s'appelle ? Diviser pour mieux régner. Et la rançon, ça m'a coûté 2000. Donc voilà, j'ai un petit peu... ça a un petit peu retardé tout ça, même si... voilà, vol 1500, frais de 512. Même si voilà, on est en positif de près de 5000. Là, on va être en positif de près de 10 000. Donc c'est plutôt cool. Pour cet hiver 1419, on va être plutôt pas mal. En plus, on a un peu d'argent toujours. Ça fait un petit peu d'argent de poche. C'est plutôt cool. Alors, on va voir combien ça va me donner. La production est interrompue. Bim! Un peu plus de 4000, c'est nickel. Mais sachant que c'est un peu plus de 4000, on va devoir les réinvestir là-dedans. On va en prendre 20. L'inventaire est plein. On va en prendre 20. Et dans l'idée, là, on va prendre 10. Ça va me coûter la blinde aussi. Ouais, je pense que j'aurais pas dû les acheter ici, mais c'est pas grave. J'aurais clairement pas dû les acheter ici. Bon. Tant pis. Ça ne prendra pas longtemps. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on est plutôt bien. Ça fait quand même un positif de 6200, donc voilà. Que 1100? Ouais, mais en fait, il faut considérer que c'est une fournée où j'ai acheté en plus, donc c'est plutôt pas mal. En réalité, c'est plutôt bien. Ah, il va falloir que je fasse des colorants. Je vais en faire de... Vu qu'on en a fait 10, je vais en faire 10. Mets-toi au colorant aussi, s'il te plaît. Là, j'ai juste... il est où? Où ça? Je me dépêche. Tu vas aller là. Et moi, je vais vendre un petit peu de... Tout ça. J'ai mal aux pieds. Charger, repartir. Quand je l'aurais décidé. Oh, hé, oh, calme-toi, hein. C'est moi qui décide. C'est moi le chef. Ça se vend super bien. Et comme j'ai dit, il faudrait vraiment que j'améliore ce fourneau. Moi j'en ai que 9. Ah parce qu'ils sont déjà repartis à la conception. Ok. Ce sera fait. On est même plutôt bien. On est même plutôt très très bien. Ok, donc... Où est passée ma charrette là? Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait le tour? Je sais pas pourquoi elle a fait le tour, mais elle l'a fait le tour. Bon, tant pis. Bon, on est finalement plutôt pas mal, hein, un petit positif de 8000 des patates. C'est très bien. C'est largement suffisant. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour cet épisode, parce qu'on aura quand même fait pas mal de choses. On aura passé un titre de noblesse. Le prochain, c'est baronnet à 30 000. Je crois que celui d'après, il est à 50 000, si je me souviens bien.
30 000, ça va être pas de la tarte à y atteindre, mais il y a peut-être moyen si on augmente le fourneau et qu'on vend de nouveaux trucs. Mais on fera ça dans le prochain épisode, parce que actuellement c'est plutôt bien rodé, et il y a pas mal de choses encore à faire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.